et messieurs, bonsoir. Et re-bienvenue dans la Ligue Pokémon. Je suis morte comme un caca, j'ai fait n'importe quoi avec le Tritosaur, mais on ne va pas se laisser faire. J'ai réussi à battre les 4 champions de la Ligue et j'ai rencontré Cynthia. Malheureusement, j'ai perdu la dernière fois dans mon combat contre Cynthia. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris des notes des Pokémon qu'on avait rencontrés, etc. Parce que la première fois, la dernière fois, c'était la première fois qu'on les rencontrait. Donc j'avoue, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et du coup, je vais pouvoir anticiper les choses à faire ou les choses à ne pas faire. Au moins, je saurai, bon, Scarino, tu l'as vu, tu sais bien que c'est un insecte combat. Donc effectivement, ton étourvol, Nao, me semble plutôt adapté. Bref, j'ai pris des notes de tout ça en lien avec ma run d'avant. C'est peut-être pas encore le truc le plus opti parce que je suis pas une pro-playeuse Pokémon, mais au moins on part avec une bonne base et a priori je devrais pas faire de trop grosses erreurs. Et en tout cas, je sais tous les Pokémon qu'on va rencontrer et quels sont leurs éléments et a priori quel est l'élément antagoniste le plus adapté. Il me semble que j'ai soigné mes Pokémon dans le dernier épisode. Oui. Donc j'ai retrouvé toute ma pépé. Ouais, c'est un peu du tryhard là, mine de rien. Donc j'ai toute ma pépé. Je me posais une question vis-à-vis des CT que j'avais. Est-ce que j'ai des CT de type ténèbres plutôt. Combat normal. J'ai machination. Ouais, mais non, c'est nul. Est-ce que griffe ombre ne serait pas plus intéressant? Ah, je peux pas la prendre sur grignote? Mais pourtant, j'ai une attaque spectre sur grignote. Je voulais remplacer l'attaque de grignote. Bah, du coup, c'est nul. Éclat magique, j'ai appris déjà. Ah, c'est ça, c'est la différence entre spécial et physique. Ah, j'ai pas fait attention au truc de devant. Tourmente. Moi, c'est nul. Hein. Dracochoc. Vibre obscur. Franchement, c'est peut-être mieux, hein. Ah, je peux pas. Ah ouais, d'accord. Bon, bah... On va rester avec notre sort normal, hein. Attends, celui-là, c'est quoi déjà? Machination. Ouais, j'ai rien de fifou, hein, finalement. C'est quoi, Balombre? J'ai pas vu Balombre, hein. Balombre. Non, Lumino. Lumino canon, est-ce que... Ah oui, j'ai déjà appris. Ah, autant pour moi. Attraction... Balombre? Ça me dit rien du tout. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Ton jeu bug, non? Ah! Le jeu bug ou la carte d'acquisition bug? Attends, je relance. Je relance la carte d'acquisition. En même temps, je ne l'ai pas coupée depuis ce matin, donc la pauvre. Elle doit être en mode... Wow! Tu me fais faire des heures sup, là, Micheline. Voilà. Je pense que c'est ça qu'elle s'est dit. On va voir, hein. C'était 10, non, je suis bien sur ce truc-là. Bon, vous avez rien raté puisque je suis dans mes CT. Hein, c'est pas... Hop là! Non, c'est mieux, là. Voilà, il lui fallait un petit... Ah oui, c'est mieux. Non, mais c'est ça, je l'ai pas éteinte depuis ce matin. Hein. Bichette, elle est là. Mais c'est la nuit. bah écoutez, non, j'ai pas de CT mieux que ça et j'ai pas vu Balombre. Et en objet, j'ai rien que je puisse mettre. Si j'ai la rune purifiante, je l'ai déjà mise à quelqu'un.
J'ai rien d'autre à faire porter, hein. Ah si, j'ai une balle de fer, mais quoi ? Réduit la vitesse, rend les porteurs de type vol ainsi que ceux en lévitation sensibles aux capacités de type sol. Ça pourrait marcher si j'avais un type sol, ce qui n'est pas le cas. Mais Roserad, je lui ai mis mon truc, ma racine, ce qui fait que elle se régène plus avec 100 le truc sanguin là. Si j'ai une attaque poison sur Roserad. Le fer sur PPC. Bah pourquoi faire ? Ah, le fer ça ! Oui, pas la truc de fer. Ok. Le fer comme ça. Merde. Mais on va y arriver. Hein. Ah ! Pourquoi sur PPC du coup qui augmenterait la défense ? Oui, mon Roserad a Bomberk, tout à fait. Mais elle tient déjà un objet, je peux pas lui en donner deux. Bah, elle a certes deux mains, mais je peux pas lui en donner deux, si, ça y change. Ok, le fer sur PPC. Cela n'aura aucun effet. Ah, j'ai mis... j'ai mis utiliser, non ? Donc non. Après, je peux peut-être le mettre sur quelqu'un d'autre. Genre... Pose mouette. Garde-voir. Pose-mouette bosse pas mal, hein. Pose-mouette bosse pas mal du tout. Garde-voir assez peu finalement, hein, de ce que j'ai marqué. Hein. Je vais mettre à pose-mouette. Mince, je me suis trompée. Voilà. Non. Bon, bah, grignote alors. Ils sont tombés. Tu as rencontré le maître ce matin ? J'ai arrêté de regarder à partir du... Oui, j'ai rencontré. Ça ne sert donc à rien. Et le zinc ? Ça va être pareil. Test. Ouais, voilà. Ils sont tombés. Et la protéine ? Ouais. Ça sert à rien, ces trucs, hein. Par contre, moi, j'ai envie d'utiliser... non, c'était pas ça. Comment ça s'appelait ? Le PP+. Et j'ai envie de le mettre sur Mamgoth. Je vais pas faire de combat PVP, on s'en fout. Je peux pas l'utiliser, du coup ? J'aurais bien mis sur Giga Sensu. Comme il régène, je trouve ça carré de ouf. Ouais, PP, vous m'avez compris. En vrai, si je les utilise pas là, je les utiliserai jamais. Donc autant les utiliser, non ? Ah, Mamgoth, sur Giga Sensu, s'il vous plaît. Si, justement, elle a la grosse racine, c'est pour ça que je peux pas lui mettre le pic venin. C'est parce que j'ai déjà la grosse racine sur elle. PP+, c'est bien sur une attaque que tu vas utiliser dans plusieurs combats. Bah, très clairement, la Giga Sensu, ça me carry de ouf. Qu'est-ce qui pourrait me carry de ouf ?
Peut-être augmenter le... Aéropique, je l'utilise pas mal, mais j'en ai aussi pas mal. TPC métronome. Ça fait quoi déjà le métronome? Je sais qu'il est sur PPC, mais je sais plus ce que ça fait. Après, je peux monter deux fois hein, Giga Sensu éventuellement. À ma grande surprise, on retrouve enfin des podcasts sur YouTube, ça fait plaisir. Oui, Space Guild, et sur les plateformes d'écoute d'ailleurs. Métronome, mais c'est une attaque que j'ai pas. Ah si, c'est l'objet qui fait que plus... Ok. Ben j'augmente... ébullition alors, c'est ça? Voilà. Voilà, je peux pas faire mieux. Et c'est génial. Et... C'est quoi, je vais re-sauvegarder parce que... Alors, pour votre information, j'avais sauvegardé juste avant d'affronter Cynthia la boss. Donc dans l'absolu, j'aurais pu récupérer ma sauvegarde et repartir directement sur Cynthia la boss. Sauf que je pense que je peux améliorer même les premiers combats qu'on a fait en début de ligue. Et en plus, j'ai envie de profiter de l'expérience qu'on a gagnée dans les combats... dans les combats d'avant, quoi. Non, je garde ma sauvegarde automatique. Laissez-moi faire. On recommence! Ce matin, on les a affrontés. On les a rencontrés. Et ça ne s'est pas bien terminé. Coucou Hello Linic, merci infiniment pour le level up niveau 10. Merci beaucoup. Voici Aaron. Aaron est un champion de Pokémon Insecte. Oh, j'ai pas fait gaffe à qui j'avais mis en 1. Ah bah ça commence super mal. Je me suis optimisée, j'ai fait une fiche et j'ai fait des notes à base de Let's Go et Tourvol. C'est lui qui commence. J'ai oublié de le mettre. Je suis sûre que c'est pas lui le premier. Bon, c'est pas grave. Ça commence mal alors que... C'est Gardevoir mon premier super. C'est vraiment très adapté du coup. alors que, vraiment les... Oh, j'ai pas acheté d'objets. Attendez, je peux pas partir. En vrai, on recommence. En vrai, attends. Si je fais ça là. Ah putain. Faut que je quitte le jeu pour que ça marche. Comment je... Batterie faible. Oh non, c'est terrible. Il faut que je quitte le jeu. Ah oui. Ah non, mais par contre... j'ai pas chargé les Joy-Con. On y retourne. Il n'y a absolument rien qui va... Comment on va faire? Il n'y a pas de branchement en plus. Hein. C'est que... Oui, bon. Non mais si on n'a plus de... Sinon je les mets un peu à charger sur le truc vite fait et on repart en blabla. Attendez, avant qu'on y aille, je rachète des objets. On n'a rien vu, faux départ. Alors. Je vais acheter des potions max. 20. Si cher quand même. Oui. Merci beaucoup. Je vais acheter des guérisons, ce que j'avais pas la dernière fois. J'en ai acheté 20 aussi. Franchement, je vais être large là. Oula, carrément. Voilà.
Je vais acheter des rappels. Vin aussi. Ouais, mais je pense que je peux aller à l'économie en utilisant guérison quand c'est adapté et quand ça l'est pas. Notamment, parce que si j'utilise une potion max plus... Ah, j'ai pas acheté, c'était quoi? C'était le soin. Total soin. Ça me coûte quand même moins... Non, non. Ça me coûte moins cher. Sachant que je n'ai plus d'argent. J'ai vraiment tout dépensé. Voilà. Parce que 600 plus... 2500. Ah non. C'est absolument pas rentable. C'est beaucoup plus rentable de juste utiliser guérison en fait. Ok Nao, vive le calcul mental. C'est pas grave hein. Voilà. Je... La prochaine fois je prendrai que guérison. Voilà. Est-ce que je re-sauvegarde en mode... Attends, non, mon équipe, et tour vol. Voilà. On y vient. En vrai, je re-sauvegarde parce que là, on est vraiment prêt, on est vraiment... On est opérationnel, là. Voilà, c'est... Je pense qu'on est bon. Allez, let's go. Cette fois... cette fois, c'est pour de bon, cette fois, c'est pour de vrai. Mesdames et messieurs, pour la première fois... Dans la ligue Pokémon. Comment ça j'ai mis les PP plus? Oui. Naomi. Voici Aaron, le premier dresseur que nous allons affronter. Et qui, si tout va bien, va me présenter un Papinox. Parce que j'ai un don de voyance, normalement. Voilà, je vous avais dit, je le connais Aaron, on se connaît un peu tous les deux et ouais, je me doutais quoi. Ok, alors la dernière fois j'avais fait Aeropic et je l'avais atomisé. Du coup, et ben je vais exactement faire la même chose, voilà. Sachant que depuis j'ai au moins... Je l'ai pas atomisé, mais c'est pas grave. Y a pas eu de coup critique, on va survivre. Mine de rien, je crois que j'ai pris presque 4 levels hein, avec l'attentat précédente, et ça va faire la diff peut-être. Ok, Papinox, c'est fait. Prochain, Scarino, on garde des tours vol avec nous. Je ne change pas. Bah Julie, j'y suis encore. Allez. Aeropic. Let's go. C'est super efficace. Charmignon. Grignotte veut apprendre Préscience. Fais voir. Préscience, une attaque psy. 120, what? Ah, mais deux tours après l'utilisation. C'est...
Je sais pas, parce que deux tours après, il pourrait être mort, quoi. Après, c'est du spécial. C'est du spécial aussi. Si je remplace, je sais pas. En pression, c'est particulier. C'est fort, mais ça demande du calcul et ça attaque même si tu es mort. Non, pression, c'est nul, sauf pour les Pokémon tanky. En vrai, c'est toujours mieux que Rafale Psy quand même, quoi. Quoique ça peut rendre confus. Ou pour les pivots. En vrai, j'ai très peu utilisé Rafale Psy sur mes tentats d'avant, donc je pense pas que Pression, je l'utilise si ça pop deux tours après. Bon, je la prends pas. Oui, je renonce. Tant pis. Ok, Charmillon. Je ne change pas. Et ce sera une attaque aéropique. Let's go. Ensuite, on a Apirène, normalement. Et c'est vrai qu'elle était un peu plus résistante que Charmillon, quoi. Mais je vais quand même rester sur cette strat. Je ne change pas, on conserve et tour vol. Pourquoi Apirène, je la rapace? La rapace, je vais me faire un peu de dégâts, quoi. On est sûr de la tomber. Je suis même pas sûr de la tomber en vrai. Bon, testons. Wouhou! Let's go! Magnifique! Oh, si, je la défonce. Ok, rapace. Je note ça sur ma... Faire la manette. Rapace. Ok. Et le Drascor, on est sur un poison ténèbre. Franchement, peut-être que je sors PPC pour commencer à stack les ébullitions. J'ai pas de sol. Après, étourvol peut faire le taf aussi. Mais je me dis, tu vois, là j'avais mis sur ma fiche étourvol pendant l'interrogation ou PPC, tu vois. Parce que j'ai vu que pour Poison Ténèbres, là en face, on me conseillait un Pokémon Sol, mais moi j'ai pas. Alors je vais changer et je vais sortir PPC. En plus, il tank et tout, on va voir. Attaque. Ébullition, du coup. Ah, séisme, ok. C'est pas mal. Franchement, on refait une attaque ébullition. Faut pas mourir, quoi. Hein. Ne meurs pas, ne meurs pas. Ne meurs pas, bravo. Nickel. Nickel. Je marque PPC ébullition. Oh, let's go. Premier combat, plutôt maîtrisé.
Je vais régène mes Pokémon et je vais changer l'ordre de mes Pokémon pour mettre directement, je pense, Roserad, vu que, a priori, la championne suivante, en tout cas, elle avait commencé par un Marest avec moi la dernière fois, donc au sol, je m'étais dit que Roserad était le plus adapté. Ok, on régène tout le monde. J'ai juste besoin d'une potion max, hein. Y a pas de... Y a pas de suspense. Cosmouette aussi. Et voilà. Tout le monde est bon, on continue. Ah non, les clips, on déplace. Roserad. Roserad. Hop. Deuxième champion du conseil des quatre, Terry, spécialiste sol. Terry, la vieille dame. Le Marest. Mamgoth a envie de s'amuser avec vous, mais trop mignonne. Tempête florale. Ah. Doucement, doucement. Je re-tempête florale. Non ! Bordel. Meurs ! Elle la régène. Si on me tape, là je vais peut-être giga sensu. Non, je re... Merci Senerazed. Je re-tempête florale. Voilà, j'ai la prio du coup. Je le tue, c'est bon. Ok, let's go. Par contre, je vais peut-être giga sensu sur le suivant. A priori, ce serait donc Barbicha. Par contre, on est d'accord que le sort ébullition, du coup, tape plus fort... Oui, je sais que ma batterie est faible. Je ne change pas. Même d'un combat à l'autre. Je vais attaquer Giga Sensu, ce qui va me permettre de me régénérer aussi un petit peu. Pas d'un combat à l'autre. Donc là, on est reparti en vrai, du coup, alors, si je comprends bien. Parce que si j'atomise le truc avec une attaque, peut-être pas besoin de sortir ébullition du coup. Ok, dans des tours consécutifs d'un même combat. Ok, ok. Simularbre, on va changer de Pokémon, on va envoyer PPC. Et justement, j'avais atomisé Simularbre avec une attaque surf. C'est pour ça que c'est... Oh ! J'ai pas changé, oh je suis une boulousse. J'ai mis clic. Il faut que je me concentre, hein. Aïe. C'est moi qui suis censé t'atomiser. Attaque plante contre roche, ça marche aussi. Oui, mais je l'avais lavé avec du surf, alors je voulais recommencer, moi. Regardez. Normalement, c'est comme ça que ça aurait dû se faire. Let's go! Voilà, tu vois? Normalement, PPC, il se prenait pas de coups ici. Mais c'est ma faute.
Ok, ah, je spam surf maintenant, d'accord. Le gros lem, je ne change pas, je garde PPC. Ok, je spam surf à partir de maintenant. Pour le métronome, tout ça, tout ça. Ok, le surf, le surf. Let's go, le surf! Alors, il y a fermeté, c'est le problème. Ah là là, le séisme rédhibitoire. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais envoyé pause mouette. J'avais envoyé pause mouette parce que je me suis dit séisme, il va passer au travers. Et je l'avais close combat. Carrément. Guérison, bah voyons, super. Ok. Re-close combat. Let's go. Ok. Et là, je vais faire revenir Ozerad, je pense. Contre le Hippodocus. Ouais, ouais, pose-moi, ça se passe bien contre le caillou. Je vous jure, hein. Je l'ai sorti parce que la dernière fois, il a rétamé de ouf. Changer Ozerad. si ça passe. Oui, bah c'est passé. La tempête de sable. Je vais envoyer une tempête de fleurs contre une tempête de sable. Oh, c'est mou du genou, hein. Je vais me prendre un séisme. Doucement. On va partir sur Giga Sensu. Oh là là, ne meurs pas, hein. Le drainage, c'est bon. Let's go. Bravo, bravo. Pouf, Terry, c'est fait. Ok, niveau 63, on adore. En tout cas, ça se passe mieux que ma première tonta. On va soigner tout le monde. J'ai juste besoin de potion max pour le moment. Là, j'ai besoin d'un rappel. Et d'une potion max. Qui d'autre? Non, tout le monde est bien, hein. Ok. Ah non, attends, déplacer. Suivant. On va rencontrer Adrien. Ah oui, Adrien. Il commence avec Galopa. On va sortir PPC, évidemment. C'est parti. Le troisième.
Jusqu'ici, en vrai, sur mes tentats à moi, bon, j'étais allée moins vite, forcément. Parfois, j'ai fait des moves qui étaient peut-être moins optimes, mais dans l'ensemble, je m'en étais assez bien tirée. Là, j'économise des PP et des potions, globalement, par rapport à ma première tentat. Mais j'avais quand même l'impression d'avoir globalement roulé sur les Pokémon. Voilà le Galova. Alors, la question est, est-ce que je pars sur ébullition ou sur surf? Bon, j'ai pas trop d'intérêt à mettre un état brûlure sur un Galopard, on va pas se mentir. Mais je pense que j'attaque en première quand même, hein. Non, elle a l'initiative. Mais je la tue pas avec Aquagé. Parce que moi j'avais fait surf. Et je l'avais atomisé quoi. Mais effectivement, elle avait peut-être eu le temps de me faire sa roue de feu, mais ça m'avait fait ni chaud ni froid en vrai. Hein. J'ose pas m'aquager. Bon bah testons hein. Ça reste quand même une petite attaque quoi. C'est pas fou hein. Je suis vraiment pas fan d'aquager. Hein. Je le tue quand même en deux fois, let's go. Bon là par contre je vais changer hein. Bravo Palkia. Spam surf je trouvais ça mieux hein. Ouais 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 au final enfin surf ou ébullition tu vois mais alors là je vais changer de Pokémon. Oui. Et ce que j'avais pas fait la dernière fois. Alors, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je prends Pose-Mouette pour faire attaque-combat, sachant que Lockpin, du coup, c'est un Pokémon normal. C'est peut-être le meilleur choix, quand même. Après, j'ai Palkia aussi qui a Aura Sphère, maintenant. Non, mais je prends Pose-Mouette, quand même. Ok. Attaque. Close combat. Ok, nickel. Absolument nickel. Et ensuite, je reprends... Moi, j'aurais du stack, parce que là, Stylix, je l'avais atomisé avec le surf après aussi. Bravo le niveau 64, Mamgot. Stylix, je ressors PPC. Oui. Envoyé au combat et je vais surf. Vous voyez, vous avez bien fait de me dire quand même pour ce truc... T'aurais pas stack vu que tu switches. Ah oui, quand je switch de Pokémon, ok. Bah là, je vais quand même surf. Haha, c'était exactement ce qui s'est passé, c'est trop bien. Gros drive.
Je vais faire venir Cookie. Oui, donc c'est pas trop gênant au final. On va étincelle pour essayer de le paralyser. Comment ça, vol force? Rends-moi ma force tout de suite. Allez, tu le paralyses. Bravo, Cookie, génial. Ah, nickel. Il va faire ses trucs de lilliputien là, trop chiant. Ouais. Du coup, en vrai, là, une autre étincelle et normalement c'est ok. Hein. Le follet, on survit à ça, on survit à ça, y a pas de souce. Oui, voilà, la petite brûlure. Il est mort. Let's go. Oh, il guérit en plus, mais formidable ce, cet amour. Simia Braz. PPC. Oui. Ok. Je sens l'ardeur de ta détermination jusqu'ici. Attaque. Surf. D'accord. J'aurais peut-être dû aquager du coup. Pour l'initiative, tout ça, tout ça. Donc je... Bah, garde voir. Tu vas le psychotiser. Aïe, 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 aïe. C'est bon, c'est bon. Oh, attends, il reste... Il est KO, il reste un point de vie ou je rêve? Bravo. Ouais, il reste. C'est bon. Oh. La ceinture de force, très bien. Close combat au SPPC de toute façon. Pour un Pokémon acier, c'est moyen, mais bon. Un autre psycho alors? Guérison carrément. Ok, ok. Mais là, t'auras pas de ceinture de force, donc normalement. Ha! Nickel. C'était le dernier de toute manière, donc je vais pouvoir appeler PPC. Parfait. Ouais, je t'ai réduit en cendres. Alors attends, je vais soigner mon petit monde, si tu me permets. Appel. Potion max. Ok. Ça se passe beaucoup mieux. J'avais vraiment utilisé beaucoup plus de potions hein, sur mes tentas d'avant, hein, qu'on se le dise. Après, j'ai pris du level aussi entre-temps. Hein. J'ai même pas besoin de lui soigner une brûlure, donc bah let's go hein. Attends, c'est Monsieur Mime, et du coup pour Monsieur Mime, j'ai eu vraiment des difficultés à le battre dans le truc d'avant, et du coup je me suis dit que j'allais essayer de le poisonner, voilà. Donc on met Roserade d'abord, et on va lui vomir dessus. Allez. Quatrième du conseil des quatre, Lucio.
ma stratégie. C'est là où je vais sortir pas mal le truc ténèbre, du coup, on va voir. Les attaques de type soison sont fortes contre les psys et spectres. Bah, c'est ce que j'ai marqué. J'ai marqué acier ou poison pour Monsieur Mime, tu vois, qui est donc psy et fée. Voilà. Et ça, j'avoue, j'avais pas testé dans ma tenta précédente de le poison. On va bien voir. Je crois même pas que j'avais sorti vraiment Rosera, donc bon, c'est l'occasion. Ah bah voilà, bah ça change tout. Bah écoutez, d'après Poképédia, il est en x2 sur l'acier et le poison, Monsieur Mime. Alors écoutez... Non mais Monsieur Mime, il est psy-fée. Je dis pas le poison contre de l'acier. Aïe. J'étais claire, hein, pourtant, je pense, dans ce que j'ai dit. Alakazam ! Alakazam ? Mais non ! Ah, c'est pas dans le même ordre que la dernière fois. Je... teste. Ah, c'est pas dans le même ordre. Moi, il m'avait sorti Charmina la dernière fois. Bon, c'est pas grave. Je vais changer, je vais sortir Cookie et on va tester les attaques machouille, quoi. Non, j'ai dit que Monsieur Mime, pour le contrer... J'ai noté acier ou poison, puisque Monsieur Mime est un Pokémon psy et fée. Voilà ce que j'ai dit. Ok. Et du coup, je vais tester de mâchouiller, voilà. Appréciation, c'est la fameuse attaque qui, dans deux tours, même s'il est mort, va me faire des dégâts, du coup. D'accord, mais il va me défoncer la gueule, alors. Non. Non, parce que je vais changer de Pokémon d'ici là, peut-être. Bravo Cookie, c'est très efficace. Qu'est-ce que ça va m'envoyer? Charmina? Oui. J'envoie Gardevoir. C'est moi ou ça bug? Comment ça? C'est effectivement la 4G a l'air fluctuante, mais on est en live. Il y a des micro-coupures. Non, on est en vert là, on est en vert. Je vérifie. Éclat magique. Voilà ce que j'ai marqué. J'ai dit que j'allais lui éclat magique sa gueule, de lui envoyer des paillettes dans les yeux. Deux fois des paillettes s'il veut, mais let's go. À point glace, ça va. Je vais refaire un éclat magique. Wouhou! Voilà, il est mort. Let's go. Cookie, niveau 64, BG. Coup de jus. Et voir... Frappe tous les Pokémon autour du lanceur. Ouais, c'est un sort d'AOE. Après 80, sans précision. Franchement, c'est plus intéressant qu'éclair. J'échange. Ouais, j'échange, je pense. Après, j'ai 30 de PP. Oui. Ouais, je vire éclair, on est d'accord. Allez, oui. 100%, on est d'accord, Shipman. Coup de jus. Ah, c'est Grignote qui subit un MDR, d'accord. Ah ouais, c'est le Pokémon qui est en lice qui se prend le Préscience. Ok, le Girafarig. Je renvoie Cookie.
Attaque ma chouille, hein. Ok, putain, c'est trop fort en fait. Non mais c'est juste qu'il est trop, il est trop content, il me fait des coups critiques et tout. Bibou, il est heureux. T'es heureux, Bibou? Archéo donc, je vais garder Cookie. Je change pas. Je vais le mâchouiller aussi comme il faut, hein. C'est un peu plus résistant, mais on y croit. Ça fait quoi, distorsion? Fausse les dimensions, ça veut rien dire. Allez, mâchouille encore. Oh, bravo! Il est trop fort, il a évité l'attaque. Yes! Bravo, Cookie! Let's go! C'est bon, on a tué tout le monde, là. Je vais sauvegarder. En moyenne, les capacités de puissance, pas mal en fin de jeu. Pas les capacités de jeu, capacité pas mal. Utilisable souvent en 10-15, à la rigueur 20 pp. Si une capacité en a plus, c'est souvent qu'elle est plus adaptée pour le début-milieu du jeu. Ah ok, ça inverse les vitesses. Pouf ! À partir de là, je sauvegarde. Parce que là, c'est une belle tenta quand même. Je pense. Et comme ça, si ma manette lâche... Voilà, en plein combat... Oh merde, attendez. Oui, ça va. La dernière fois, elle m'avait mis Spirit Tomb en premier. Du coup, si c'est le cas, je lui mets Grignote en face. J'ai personne à soigner? Ah si, je me disais bien aussi, j'ai rien fait en fait. Ok, là on est bon, hein. Les autres, tout le monde est fou de vie. Ok. Attends, ben je re-sauvegarde peut-être, c'est plus sûr, non? On sait jamais. Oui, je sauvegarde. Voilà, comme ça je serai sûre d'avoir trouvé, parce que me connaissant, si jamais je reprends cette save de secours, je vais oublier de soigner, bref. Ok, je suis prête. Je suis stressée. Tout à l'heure, j'ai des traumas de tout à l'heure où je suis morte. Bonjour, maître de la ligue. Il y a le générique de fin après, une fois qu'on l'a bas, ou comment ça se Ok, bonjour madame. Spiriton, ok, c'est tout à fait ce que j'ai prévu. Et du coup, je vais éclat magique cette chose, parce que des paillettes dans sa vie, je pense. Coucou Whisky. Éclat magique. Let's go. Ok. Évidemment. Ah ballon, c'est ça que vous m'aviez dit de mettre. Attaque, éclat magique. Essaye de le terminer si tu peux. Let's go, le coup critique et tout. Bravo. Un de moins. Ensuite, Roserade. Je vais envoyer Osmouette.
Est-ce que j'y vais carrément au rapace comme la dernière fois en sachant que ça va me faire des dégâts? Laissez-moi regarder. En vrai, je vais peut-être en avoir besoin quand même. En vrai, je peux le régénérer. Vas-y, on rapace. Aïe, 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 aïe. Bomberg, déjà, ça fait mal. Ok, ok, super efficace, bravo. Il va falloir que je le régène à un moment ou un autre quand même. Oh, aïe, 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 aïe. Sauf que là, je vais changer en fait. J'ai pas le temps de les régénérer. Ne meurs pas. Ah, pose-moi de le décès. Contre Milobellus. J'ai pas vu qui elle a envoyé. Si c'est... Elle a dit Milobellus. Envoie Mamgoth. J'ai pas fait gaffe. Ah non, Tritosaur. C'est pas grave parce que c'est Roserade quand même. Ok. Donc c'est parfait, j'ai bien fait de pas envoyer PPC. Attaque tempête florale. Ok. Bravo. Tombe roche. C'est bon, on résiste. Alors, on fait moins le malin quand on a pas son lavabo là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je vais giga sans sucre et comme ça, ça va me régène un peu. Let's go. Je peux faire une vanne sur Tritosaur et les attaques. Oh, je vais me faire faire mal. Non, tu peux. Je reconnais mes... je reconnais ma nullité. Je ne change pas, Milobellus, c'est parfait. C'est Roserade que je veux contre. Je vais attaque tempête florale. Oh, bravo le dodge, bravo. Pas très vite, qu'est-ce tout ça? Oh, oui, je sais, ma batterie est faible. Laisse-moi finir mon combat, s'il te plaît. Ben, encore tempête florale, hein. Attention, cette fois on ne dodge pas le Zergal, faut tanker, faut tanker. Après, de toute façon, on partira sur des gigas sans su, c'est pas grave. C'est maintenant qu'il faut qu'on parte sur des gigas sans su. Attention, il faut qu'on... Oui, bravo, le dodge, bravo, le dodge. Ok, Milobellus c'est fait. Alors là, je vais tenter un truc. PC niveau 70, c'est vraiment pas mal. Lucario. J'aurais bien envoyé PPC. PPC. Étourvol. Pose-mouette contre lui. Sauf que Pose-mouette est KO. Alors je vais envoyer Palkia. Palkia qui tanque le temps de régène. Le temps de rappel et régène pose mouette quoi. Et de l'envoyer.
ou je l'ai à l'aura sphère, tout simplement. Hein. C'est vrai, à la base... Piston. Machination. Tout à l'heure, il m'a foudroyé, lui, ce Pokémon. Hein. Vas-y, pas le cas. Montre-nous ! Oh, waouh ! Oh, c'est pas mal. Bah encore, hein. Refais ça, refais ça. Dracochoc. Le truc, c'est que c'est un bébé, moi. Il a pas beaucoup de... Oh, terrible. Ouais, c'est, ça va être compliqué du coup parce que... Peut-être Cookie le paralyse. PPC, AquaG. Sacrifie quelqu'un pour animer Pozmoek. Cookie paralysé. Est-ce que je tente de paralyser ou est-ce que là je profite pour ranimer mon équipe ? Oh, désolé Cookie. Ah, j'ai plus de temps. Mais encore faut-il que ça le paralyse, quoi. Allez, paralyse. Bah, bien sûr, aura sphère. Non, c'est un petit peu compliqué, du coup. Ça se passe mal, hein. Je teste... Bon, on va aquager, hein. Oh putain, c'est terrible. Aquager, 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 let's go. Il faut à tout prix que ça le tue. C'est pas suffisant. Non mais c'est trop puissant là. J'ai seulement le... C'est quoi le sweep avec machination? Je comprends pas.
teste le close combat, mais bon. Il me retue avant que je le tue. Oh, un PV! Putain, un PV quoi. Et attends, parce que... On n'a pas vu tous les Pokémon quoi. Hein. Son Lucario, bah les Matim. Karchakrok. J'ai quoi en réserve là? Il faudrait que je rappelle il faut que je rappelle BBC. Attends. Gardevoir. Mais Gardevoir n'est pas mort. Et qu'est-ce que je voulais... Je mets garde... Ah ouais, mais à mon avis, je vais pas pouvoir et rappeler les gens et tanker... En vrai, Cynthia n'est pas trop dure. Il suffit d'avoir un Pokémon qui lance Plénitude. J'ai pas ce sort. Gonflette, j'ai pas ce sort. Qu'est-ce que vous me racontez? De toute façon, là, c'est soit j'ai Posemouette avec un point de vie, soit j'ai Grignote. Oui d'accord, super Etcha, merci. Moi j'ai one-shot tous les persos, ok d'accord. Moi aussi quand je serai niveau 100, je vais one-shot tous les persos, tu vas voir. mauvaise posture, elle dit ça mais... Donc je rappelle qui là? C'est pas soigné mon Roserad, c'est un rappel. On rappelle Roserad. Grignote est morte du coup. J'envoie Roserad et j'y vais à la giga sangsue quoi. Il faut pas qu'il m'atomise, hein! Allez, Mamgoth. Allez, allez, giga sensu, j'espère qu'il ne m'atomise pas. Allez. Oh, le 1 point de vie, merci! Merci, Mamgoth qui ne veut pas mourir. Allez. Ce sera pas suffisant. Hein. En vrai... Ouh. Voilà. Allez, je suis prête à tanker, Putain de mort. Y'a combien de PP sur séisme déjà? 10? J'ai les potions. J'ai les potions pour le faire. Ouh là 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 là. C'est quoi ce strat de mort? Let's go!
Terrible. Off. Bravo, pause mouette. Ah, ça va être compliqué de cette affaire. Est-ce que je rappelle Roserad ? C'est quoi cette stratégie de mort là ? Ok. Oh, bravo, pause mouette! Mais incroyable, pause mouette! En vrai, je rappelle un autre Pokémon là. Si tu peux épargner encore ta vie un petit peu. Vas-y, pose-moi ton croix en toi. Oh non, quand même pas, il est pas... Ok, potion max. Faut tanker. Allez, Mamgoth. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, l'attaque augmente. J'en profite pour rappel Palkia alors. Avoir toujours deux Pokémon en probable va peut-être me permettre de tenir sur la durée. Putain. Mais à un moment, il aura plus de pépé sur ces trucs, non? Allez, le rappel de Mamgoth. Dracogriffe contre Pialka, c'est... D'accord. Il a encore des séismes hein. Je vois pas comment vous voulez que... Il faut revive pause mouette. Putain mais à un moment je vais plus avoir de rappel hein, vous savez. Let's go pause mouette. C'est quoi cette angoisse?
Mamgoth. J'ai entendu le chat, mais je n'ai pas magie rêve, je ne vais pas t'inventer magie rêve. Écoutez, j'aurais dû acheter plus de rappels. On va y arriver, enfin j'espère, hein, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Après, je lui baisse son attaque, t'as vu? Vous pensez que je peux gagner comme ça? J'ai vraiment l'impression qu'il a des PP infinis, elle va me sortir des élixirs là. Il est en vie! Let's go, Pose-mouette! Je vais rappeler où je soigne. Ou qui? Je ramène tout le monde dans la vie, j'en ai rien à foutre. Ok. On envoie Cookie sur le terrain. Et on rappelle Pose-mouette. Putain. Et encore séisme, hein. On n'est pas au bout de nos peines, hein. On envoie... Pose-mouette. Je savais pas que la baisse d'attaque se cumulait, genre. Peut-être un jour, il aura plus d'attaque du tout. Rappel... Merci, merci la nature! On ravive Cookie. Bravo Pose-mouette! Ah ouais, je switch à chaque fois? Genre j'amène PPC, je fais Aqua G. J'aurais pu faire un petit aquagé là. Non? Je m'enflamme peut-être, mais bon. Ok. Je vais soigner PPC? Tu peux aller entre moins 5 à plus 5. Ah ouais? Ok. C'est pas fini cette merde, hein. Je réutilise une potion. J'ai envie de repose, mouette.
Attendez, on continue ma strat du rappel là. C'est pas trop mal. Bravo! Bravo! Bravo mon bébé! En vrai... Je vais soigner Pose-Mouette. Non, c'est possible que la 4G soit fluctuante actuellement. Ça fait quoi dans Slam ? J'ai envie de le taper Je vais rappeler Palkia. On résiste un peu, hein. J'envoie Palkia. Non, ça l'atomise, lui. Je réenvoie Pose-Mouette. J'ai envie de soigner Mamgot. Je vais soigner Pose-Mouette. Dans Slam, ok, il récupère tous ces trucs si je comprends bien. C'est là que j'envoie Mamgot. Après, avec tout ce que j'ai baissé, il a récupéré un peu, mais pas tant si. Let's go, le poison. Oh non, elle va... J'ai cru qu'elle allait le guérison. Ok, je le giga sans su. Bravo, Mamgot. Oh, si près du but. Oh, il est pas... Il est mort ? Il y a quelques minutes, j'ai été encore une graisseuse redoutable venue me défier. Oh, on tient la réussite. Mais à présent, tu es digne du titre de maître. Putain, mes Pokédollars qui ont carry la game. C'était incroyable, quel combat exceptionnel. Tu as mené tes Pokémon à la victoire en leur donnant des instructions de façon réfléchie, mais aussi en les encourageant à exploiter tout leur potentiel. Et mes potions. C'est à la fois ton ardeur et ton calme qui vous ont permis de gagner. Ensemble, vous êtes capables de relever tous les défis. Après un tel combat, je suis fière de te couronner. Nouveau maître de Sinnoh, prends l'ascenseur, je te rejoins. Oh, je suis émue, la victoire de l'argent, mais de ouf.
Au bout de ces couloirs se trouve le Panthéon. Oh, le vieux ! Enfin, le professeur. Un peu de respect. Nao, ton dernier combat était grandiose. Oh, bonjour, professeur Sorbier. Eh bien, dire qu'une enfant à qui j'ai demandé de l'aide pour le Podégès est parvenue jusqu'ici, je ne manquerai pas son heure de gloire pour rien au monde. Nao, tu as tellement mûri. Tu es devenue une dresseuse puissante, indépendante et sur qui l'on peut compter. Nao avoue, à une semaine du prochain jeu, tu as tout tenté pour finir le jeu maintenant. Bah, c'était le but. Professeur, vous aimez toujours autant voir l'évolution des jeunes dresseurs, n'est-ce pas ? Nao, suis-moi, s'il te plaît. Professeur Servier, je voudrais que vous veniez également. Oh, je suis émue. La dernière fois que je suis venue ici remonte à il y a bien longtemps. Je voulais parler de mon entrée au Panthéon, en effet, c'était il y a une éternité. Quoi qu'il en soit, bienvenue au Panthéon des dresseurs, Nao. Ton nom et celui de tes Pokémon seront inscrits ici. À jamais. Les souvenirs de vos aventures y resteront gravés. Rappelle-toi que tes Pokémon sont tes partenaires, qu'ils grandissent avec toi, à travers toutes les épreuves. Cette machine va enregistrer vos prouesses pour l'éternité. Bah oui, je dois avoir une 4G. Après, c'est la tempête dehors et ça n'aide pas forcément. Bravo, Grignotz! Oui, Cookie, c'est toi! T'es là, t'es sur l'écran. Il me regarde, il me juge. PPC, le meilleur, évidemment! Bozouet, sans que rien n'aurait été possible! Palkia, le Pokémon légendaire capturé à l'Hyper Ball, bien sûr! Et Mamgot, ma maman, sur qui j'ai pu compter grâce à ses gigas sensus. Tout ceci avant que ma batterie ne vienne à ne plus avoir de pile. 40 heures quand même, hein. La Ligue a un nouveau maître, félicitations. Oh, c'est le générique de fin. J'ai fini le jeu. Ouais. Incroyable, juste avant la sortie de Violette Écarlate quand même. On l'a fait. Go pour les 50% du jeu restant. Non, moi je m'étais arrêtée là. Je vais m'arrêter là d'ailleurs sur cette version de Pokémon. C'est pour ça que je disais vraiment les PP, les PP plus là. C'est maintenant qu'il faut que je les utilise parce que bon. Oh, Mims. Petit générique. Je suis trop contente d'avoir fait cette aventure avec vous. Oh là là. Maintenant, le vrai combat. Coucou, Akaten. Est-ce que j'arrive sur la fin? Tout à fait. Je viens de battre Cynthia. Pas de bulle bizarre ni de germignon. Mais à quoi ça me servirait? Mon but n'est pas de remplir le Pokédex. Mon but n'est pas d'avoir tous les Shiny Pokédex. Mon but sur ce jeu était de battre la Ligue. Du coup, le créneau, ce sera Disney Dreamlight. Bah, en vrai, le créneau, Pokémon Violette qui va venir dans pas longtemps, quoi. Voilà. Pour le flex, j'ai pas besoin de flex avec ça. J'ai trop de jeux et trop de trucs à faire. Tu vas pouvoir commencer Arceus. Alors, si je le commence maintenant, il y a peu de chances que je le finisse avant du prochain. Non, là, prochain jeu Switch, créneau Pokémon, enfin le créneau du mardi matin, ce sera pour Violette Écarlate. Bon, ce sera notre Let's Play Violette Écarlate à la place du Perle Scintillante. On restera sur du Pokémon. Va peut-être y avoir du coup mardi prochain qui sera en libre, un créneau libre. Mais du coup, c'est pas un créneau où je vais aller commencer un nouveau jeu, je pense. Ce sera un créneau où on avancera un let's play qu'on a déjà en cours sur autre chose afin de ne pas commencer un autre jeu sur le créneau de Pokémon Violette. Ce serait quand même dommage.
Je sais pas, il y a plein de jeux qu'on a en cours, hein. On peut très bien faire du Lost Ark, on pourrait se faire du Hades, enfin, le champ des possibles est grand. Le champ du possible est grand. En parlant d'Hades, parce que faut qu'on en parle.